Monsieur, bah, est-ce que vous pouvez parler un petit instant pour tester un peu, parce que peut-être qu'ils vont prévoir des micros, donc on sait jamais. Bien sûr, Maël parle. On s'entend pas beaucoup. Continuez un peu pour voir. Bonjour, Maël s'appelle Maël. Il a gagné le jackpot. Ah, ok. Bonsoir, docteur. Ah, c'est vous l'infirmière. Ah bah tiens, c'est super ça. Vous êtes arrivé à pied? Alors j'étais à Mieux et j'ai trouvé personne pour me conduire. Je sais pas vraiment conduire moi-même. J'ai commencé à pied et puis j'ai croisé Monsieur Laroux à la route 69. Putain, j'ai laissé la nouvelle infirmière à pied, putain. Je m'attendais pas qu'elle allait venir. Bon, bah écoutez, exactement, c'est vrai. Mais nous sommes vraiment désolés que vous avez dû faire un peu de la marche à pied, mais bon. Tant que quelqu'un vous a aidé un peu plus, voilà. Est-ce que vous êtes là pour faire justement la formation, enfin le découvrir avec, bien sûr, avec les nouveaux médecins novices, ou vous allez nous aider un peu à faire justement la présentation? Je pense que je vais plus vous écouter que vous aider, tiens. Très bien, très bien. C'est tant mieux, hein, et puis de toute façon, pour vous, il y aura peut-être pas grand-chose à payer, hein, on vous fera peut-être même une petite réduction. Oh, nickel. Vous êtes cruel, Erwan. Quand je dis réduction, c'est littéralement gratuit pour elle. Voyons. Ah, quand même. Écoutez, c'est pour éviter de le dire à voix haute. Bonjour. En voilà d'un. Vous pensez que je peux juste aller faire un crochet aux carrières ou pas du tout Si c'est très rapide, en attendant le second, vous pouvez le faire. Je cours. Ah bah si. Ah bah il arrive. Eh bah écoutez, dommage, hein, vous ferez ça après, malheureusement. Ouais, c'est les participants de la communauté. Ok, c'est Sergueï et c'est Lou. Ah, je leur dis avec leur prénom parce que leur nom de famille, etc. Bon, Sanders, Krabou, Nashvich. Désolé, je suis en train de... Pas de soucis, pas de soucis. Bien, bien, rentrons, voilà, nous allons commencer. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la formation LDLC. Je me présente, Erwan Bettamy, médecin et psychologue de l'hôpital OGM. Bien sûr, vous en faites pas, hôpital OGM veut dire bien autre chose que ce que vous pensez à la communauté, parce que je sais qu'à la communauté, vous avez des mots qui peuvent vous faire pas star, mais en faites pas, je vous expliquerai après. Et du coup, je suis assisté avec mon assistant, justement, monsieur Maël. Bonjour, bienvenue. Donc du coup, nous allons faire une présentation des nouveaux médecins novices qui sont ici. Donc nous allons commencer de gauche à droite, en commençant par vous, monsieur, au centre, là. Très bien. Eh bien, écoutez, je m'appelle Sergueï Kloupanovitch, je suis médecin depuis un mois dans la communauté, et je suis venu ici en quête d'apprendre tous les secours dont j'ai nécessaire. Et vous, monsieur ? Moi, je m'appelle Lou Zender, je suis médecin depuis une semaine à peu près à la communauté. Je suis venu ici pour le calme, parce que la ville j'en ai marre. Et j'ai un peu d'expérience en médecine de l'armée d'il y a 5 ans. Et enfin, aussi la personne qui est ici à votre droite, monsieur Lou, c'est une nouvelle infirmière qui va peut-être rejoindre l'hôpital OGM. Donc je vous laisse vous présenter. Tout à fait. Darcy Marco, nouvelle arrivante en ville et infirmière secrétaire. Et j'espère travailler bien avec monsieur Bettamy ici. Bien, nous allons du coup commencer avec la présentation. Présentant déjà le sommaire. Bien, du coup le sommaire, nous allons présenter d'abord l'hôpital OGM, bien sûr, quelque chose de très important. Ensuite, nous allons parler bien sûr avec la formation. Ensuite, nous allons parler de ce qui est le plus important pour vous désormais, c'est les ingrédients pour apprendre à faire des seringues et les trous de secours. Une petite activité très intéressante, les 4 étapes du secours, qui est justement LDLC. Et pour terminer, bien sûr, une petite conclusion et un petit contrôle. Le petit contrôle, vous en faites pas, il sera très simple à comprendre et ce sera pas trop dur, je l'espère pour vous. C'est juste un petit test pour savoir si vous avez bien suivi toute la formation. Voilà. Eh bien, nous pouvons commencer à présenter l'hôpital. Du coup, la compagnie OGM, Ordre Général des Médecins, a été créée le 15-03-2021, dont le but est de sauver des patients, des collaborateurs sur toute l'île. Et aussi, surtout, pour que ça soit un monde qui va mieux et qui a pas de problème de santé, de choses comme ça. Du coup, dans notre hôpital, nous avons plusieurs choses, comme des médecins, ça c'est sûr évidemment, mais des médecins avec des petits travaux en plus, comme par exemple psychologue, comme moi, un neurologue comme monsieur Maël, que vous pouvez voir ici, et qui peut partager sa petite expérience, si vous Oui, bah bien sûr, après c'est pas le sujet tout de suite, mais bien sûr, bah, du coup on peut continuer. Du coup nous avons aussi des chirurgiens, nous avons aussi une salle de repos,
pour les patients, des cabinets pour les séances de psychologue, des choses comme ça, et un héliport. Ensuite, nous avons des distributeurs pour justement que si nous sommes absents, ils pourront s'en servir pour acheter des choses comme ça. Ensuite, des ambulances pour justement arriver ici, pour des urgences, etc. Je ne sais pas si Monsieur Tom s'est occupé à faire ça, mais non, vous allez recevoir du coup une ambulance rien que pour vous. C'est bien ça, Monsieur Tom? C'est bien ça? Oui, ça va être prévu de le faire, excusez-moi. Aussi, nous avons un téléphone, donc c'est OGM mieux. Et enfin, une assurance. Alors, l'assurance, bien sûr, je vais pas vous dire un peu trop dessus, mais en quelque sorte, l'assurance permettra tout simplement aux habitants de Mio Holding avoir payé moins cher que d'habitude. Donc, bien sûr, pour plus d'informations, comme c'est marqué, visitez l'hôpital. Continuons maintenant. Cool, dude! La formation vous permettra tout simplement d'aider un peu plus vos amis et aussi des nouvelles personnes que vous allez sauver. C'est surtout aussi la raison de pourquoi je propose cette formation, c'est que nous sommes très peu de médecins. C'est que si par exemple je suis absent ou que Monsieur Maël est absent et que bizarrement il y a quelqu'un qui est blessé et qu'il n'y a aucun médecin, vous savez qu'est-ce qu'il arrive ? Il meurt. Voilà, exactement. Donc il meurt et donc il y a moins de travailleurs, il y a moins de personnes qui peuvent s'occuper d'une ferme, moins de militaires. Voilà, c'est moins d'argent. Voilà, ça aussi, moins d'argent aussi. Et on a une mauvaise image de l'entreprise. Donc vous voyez. Bon, excusez-moi. La santé avant l'argent, quoi. Voilà, exactement. Bien sûr, la santé. Donc c'est pour ça. Donc mais bon, dites-vous que on a la santé et s'il meurt, et bah on n'a pas l'argent. Donc du coup, c'est eux qui doivent penser que la santé avant l'argent. Du coup, bien sûr, je vais résumer avec cette petite phrase. Un sauveur en plus, une personne qui est prête pour aider ses collaborateurs. Avec bien sûr une attention avant tout simplement la formation. Parce que si vous faites cette formation, c'est pour une simple raison. De garder les distances. Parce que vous savez, il y a eu pas mal de mésaventures qu'on a eues entre médecins. Comme justement mon autre collègue qui n'est pas présent, malheureusement. Donc voilà, du coup prenez ces deux exemples-là. Un aventurier médecin, pas bon. Mais un médecin qui respecte les distances de sécurité, ça c'est bon. Passons à la suite, avec bien sûr les ingrédients des seringues et des trousses de secours, parce qu'évidemment, vous savez juste faire des bandages, et bien maintenant, nous allons vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, du coup, pour les seringues et les trousses de secours, quelque chose à savoir, les seringues permettent de soigner votre patient 20%, et la trousse de secours, tout simplement, à 100%. Du coup, pour la seringue, il vous faut 15 tissus, 10 fragments de métal et 10 essences. Grâce justement aux seringues, et ben vous pouvez justement créer la trousse de secours, alors il faudra malheureusement que 2, et ensuite, il vous faudra par contre beaucoup de carburant. Alors du coup, les informations importantes, c'est que la seringue, vous pouvez l'utiliser pour soigner soit vous ou soit avec votre patient. Donc, main gauche pour vous, main droite pour votre patient. Comme les bandages. Exactement, tout à fait, comme les bandages. Alors et du coup, vous allez me dire, du coup la trousse, elle marche la même chose? Eh bien, malheureusement non. Si vous les équipez dans votre ceinture et que vous essayez de l'utiliser et l'avoir dans les mains, ça disparaît malheureusement. C'est comme la nourriture. Voilà, exactement. Donc du coup, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de... Ah oui. Ta gueule! On vous entend jusqu'à l'autre bout du village. Oups! Ah, excusez-moi, c'est pour... Excusez-moi, c'est pour qu'il puisse mieux entendre. Excusez-moi, je me pardonne. Oui, non, mais c'est pas méchant non plus. Non, mais y'a pas de soucis, je peux comprendre. Voilà, après, j'ai peur qu'il soit sourd, d'avoir donc, interrompu. Non, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Bah, de toute façon, j'ai jamais terminé cette étape. C'est très drôle. Ah, y'a pas de soucis, on a droit de rire. De toute façon, comme diraient les Suisses, rire est bon pour la santé. Rire, c'est bon pour la santé. Et donc, justement, nous allons vous présenter les 4 étapes du secours, justement avec LDSC, que nous allons du coup vous afficher désormais pour savoir qu'est-ce que ça veut dire LDSC. Eh bien, ça veut dire tout simplement localiser, déterminer, lever et coopérer. Donc du coup, ce sont 4 étapes très importantes pour un secours. Vous recevez une alerte, eh bien il faut suivre cette étape quand même pour que vous puissiez mieux sauver la personne. Et donc ce que je peux vous proposer désormais, c'est de faire une simulation. Donc nous aurons besoin d'un patient qui se nommera Philibert et nous aurons besoin d'un médecin. Monsieur Tom voulait faire le patient ? Ouais. Du coup, pour donner un prénom quand même à mon personnage de médecin, j'ai décidé de l'appeler Voiture City. Donc, Voiture City que je suis, eh bien, je vais respecter la première étape qui est tout simplement localiser l'accident et analyser le lieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va déterminer où se trouve l'accident et
déterminer s'il y a des dangers autour. Exactement, tout à fait. Par exemple, quand vous recevez une petite alerte, le mieux pour vous, c'est d'aller à l'endroit et d'analyser le terrain. Parce que si par exemple vous rentrez dans un désert, vous avez des chances de rencontrer un puma. Je vais regarder où se situe Monsieur Tom, enfin Monsieur Philibert, je le vois qu'il n'y a aucun danger. Mais si par exemple il y a un danger important, genre un désert, une attaque de gang, ou même une météorite qui peut arriver à tout moment, je reste caché derrière un petit caillou, comme sur ce dessin, et j'observe la situation en attendant que le danger s'éloigne. N'hésitez pas à vous accompagner par des professionnels de la chasse ou des choses comme ça. Maintenant, commençons avec la prochaine lettre suivante, qui est bien sûr la lettre D. Déterminer les besoins d'un patient. Quand vous avez éloigné le danger de tout ça, vous pouvez vous rapprocher du patient. Donc, je vais poser la question à Monsieur Tom, ce qui s'est passé. Monsieur Philibert, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mal où? Un petit peu à la jambe. J'ai fait une mauvaise chute. J'étais sur la table, j'ai sauté. Oh là là. Oh non, c'est très horrible. Vous avez sauté et vous êtes... vous avez même la jambe tordue et même le petit doigt de pied qui s'est cassé parce que vous avez touché le bord de table. Donc du coup, je fais quoi? Eh bien, c'est très simple. Je sors mes bandages ou les seringues selon la situation. Donc par exemple, là, je mets un bandage pour Monsieur Philibert. Voici plusieurs situations que vous pouvez avoir parce que Monsieur Philibert a eu un accident toute bête. Comme justement, si c'est une chute, vous pouvez le relever tranquillement. Si c'est une maladie et vous sortez les médicaments, c'est une blessure grave et vous sortez, comme je vous ai dit, les bandages, les seringues et la trousse de secours. Mais par contre, si c'est un tank... Run. Vous échappez parce que un tank quand même, il vous dit qu'il y a un tank, vous vous barrez. Vous êtes le seul médecin qui est dispo et que en plus il vous dit qu'il y a un tank, vous barrez parce que vous allez mourir avec lui quoi. Bon, excusez-moi. C'est parce que comme je vous ai dit, il y a un collègue qui a fait la même chose, donc voilà, c'est pour ça. Quelle est la troisième étape du coup? C'est tout simplement lever le patient avec votre main. D'ange. La main d'ange, c'est parce que nous avons un petit don, c'est qu'on peut relever la personne. Qu'est-ce qu'on fait pour relever la personne? On réanalyse quand même ce qui s'est passé aux alentours. Donc je regarde. Mm-hmm. Pas de problème avec la table. Bah écoutez, Monsieur Philibert, je vais vous relever. Respirez du coup un bon grand coup et tout va bien se passer. Là, vous devez respirer. Le mec gêné un peu. Oui, bah je respire. Mais bon, évidemment, vous voulez. Il s'est relevé. Du coup, pourquoi je dis bien sûr ça? Parce que vous allez le relever, mais il faut qu'il fasse aussi un petit effort. Parce que bon, vous faites un effort pour sauver sa vie. Maintenant, il faut qu'il fasse un petit effort quand même. Donc, vous lui dites tout simplement de respirer un bon grand coup. Et comme ça, vous serez relevé. Avec le patient. Et maintenant, la quatrième étape qui est quand même la plus intéressante à la fin quand même, c'est tout simplement coopérer entre vous et le patient. Qu'est-ce que ça consiste? Eh bien, ça consiste à ça. Bonjour, monsieur Philibert, je vous ai relevé, je vous ai soigné. Eh bien, du coup, je vous ai donné quand même une seconde vie, quand même, monsieur. Ouais, ouais, merci. Du coup, je voudrais avoir une petite récompense spéciale qui est tout simplement me passer quand même. Parce que bon, je vous ai sauvé comme la vie, donc il faudra me payer un peu en liquide, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bien sûr, je vais pas le prendre, c'est mal pour lui de vous prendre, donc vous pouvez récupérer. Voilà, donc en quelque sorte, il faut qu'il y ait un échange entre vous et lui. Vous avez sauvé, etc., c'est très chouette, mais il faut qu'il vous donne récompense quand même, parce que si vous l'avez pas sauvé, bah, il serait mort, donc il faut bien qu'il vous donne récompense quand même. Maintenant, pour terminer tout ça, nous allons faire un petit contrôle. Bien sûr, l'objectif n'est pas non plus de réussir à 100%. L'idée, c'est surtout que vous réussissez à bien comprendre ce qui s'est passé et que vous avez bien suivi les étapes. Je vous ai préparé tous un petit document et donc il faudra remplir avec ce qu'il faudra marquer. Déjà votre nom et prénom pour que je puisse savoir ce qui se passe, etc. Quelles sont les erreurs que vous avez fait, etc. Tiens, même à vous, on sait jamais. Et donc voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser à remplir le petit contrôle. Suivez bien toutes les questions et n'oubliez pas, l'objectif n'est pas de réussir toutes les questions. C'est tout simplement de réussir à comprendre parfaitement ce que je vous ai présenté. Allez-y du coup. Bien, monsieur Maël, est-ce que vous avez des petites anecdotes à raconter quand même pour ambiancer un peu la scène? Laissez Maël réfléchir. Et bien cette fois, c'est un peu profond dans les souvenirs de Maël et il faut qu'il vienne. Ah, quelqu'un a levé la main? Vous avez levé la main? Oui, il y a Vous avez fini, c'est ça? Ou vous avez une question? Oui, c'est ça. Ah, bah très bien, je le prends.
Très bien, très bien. On sait jamais, hein. Vous savez, lever la main, c'est pour aussi poser une question, donc je préfère mieux de demander. Je peux poser aussi en même temps une question, du coup, ou pas? Oui, bah, en attendant que les deux autres puissent terminer leurs questions, vous pouvez poser une question, allez-y. C'est dans quel cas que vous utilisez, du coup, une seringue Si, par exemple, le patient a une blessure grave, comme je l'ai dit, vous devez le soigner. Genre, il a eu une plus grande chute qu'une chute tout basique, hein. Vous glissez sur une peau de banane, ça, vous soignez pas, hein. Vous relevez justement. Si, par exemple, c'est une grande chute d'un grand immeuble, etc., et bah, vous pouvez utiliser les bandages et les seringues. Pour ce que je peux vous recommander, c'est tout simplement d'utiliser une seringue et que des bandages. Oui, c'est ce que je fais d'habitude. Si on rencontre un puma, du coup, dans le désert, comme vous avez dit, on attend aussi des chasseurs ou on peut l'écraser? Alors, écoutez, si par exemple vous avez un véhicule accompagné, bien sûr, bah, si par exemple le puma est un peu plus éloigné que sur le patient, et bah, si vous avez un petit plaisir pour se dire, ah, quand même, ce puma, il attaque quand même mon meilleur client, et bah, vous foncez et vous l'écrasez avec force. Excusez-moi, ça faisait du bien que je fasse ça. Je comprends. Est-ce que voulez-vous que je fasse une analyse de vos réponses pour que je dise tout simplement les retours, savoir... Moi, si vous pouvez me faire vite, s'il vous plaît, parce que je dois aller me coucher assez rapidement. Ah, très bien. Bah, vous savez quoi, si vous voulez, je vais commencer avec vous directement. Alors, attends, regardez. Localiser, je sais pas. Alors, pour l'instant, sur la question 1 et 2, ça a l'air correct. Ouais, c'est la dernière où vous avez oublié la seconde étape. Mais bon, en fait, pas. Vous avez réussi quand même à trouver déjà 3 étapes, ce qui est pas mal. L'étape déterminée, c'est vrai que c'est un peu compliqué à se rappeler, mais sinon, vous pouvez le résumer avec un autre mot, c'est-à-dire donner ce qu'il faut aux patients. Bref, du coup, évidemment, je vais vous passer maintenant la donation que vous puissiez apprendre à faire des seringues et des trousses. Passez une très bonne journée et puis une prochaine fois. Vous pouvez tous applaudir Sergei. Merci beaucoup. Mais c'est pourquoi il y a un gosse? Moi je vous applaudis vous. Merci beaucoup. Ah merci beaucoup. Allez, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Bien, maintenant nous allons passer à Monsieur Lou. Alors vous avez tout bon. C'est juste que sur l'étape de trousse de secours, vous êtes trompé de chiffre pour l'instant. C'était 50. Vous êtes à un dixième chiffre de près. C'est pas trop grave. En vrai, vous avez déjà pris un gros chiffre parce que vous savez, il y en a 5 qui mettent comme le même nombre pour une seringue. Donc franchement, je vous applaudis aussi. Vous avez tout très bon. Donc vous méritez bien sûr les plans pour tout ça. Et maintenant, bien sûr, on va terminer avec la dernière, évidemment, la meilleure pour la fin, comme on dit. Faites attention, vous avez oublié le nombre pour le carburant, mais c'est pas grave. Vous avez dit le nom, mais pas le nombre pour le carburant, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez très bon pour la première question. Il y a le nom, c'est plus important. Couillonner la personne de mon nom. La dernière étape, en vrai, c'est vrai que le mot choisi, enfin le verbe, eh bien, c'est vrai que ça peut être lié avec coopération, donc c'est bravo à vous. Franchement, vous étiez très original pour la dernière. Ah, merci. Vous êtes tous très bons et du coup, bah bien sûr, vous méritez les seringues et les trousses de secours. Bah, c'était la formation LDSC, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit email ou une petite lettre pour dire les retours, ce qui s'est passé, des choses comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez des questions en plus? Si des patients ont des maladies du type plus neurologique, on peut vous envoyer des patients? Pas du tout. Écoutez, si par exemple vous avez besoin d'un psychologue, et bah nous sommes présents, ou même un neurologue, monsieur Maël serait très ravi. Monsieur, prends note du coup. Et bien du coup, c'est terminé. Merci à tous d'avoir participé. Merci à vous pour la formation. Pas de soucis. Et au plaisir de vous revoir peut-être. Vous aussi. Bon, bah du coup, on peut les laisser faire leur journée maintenant. Attendez, Doc. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cette formation. Pas de soucis. J'espère que d'ailleurs, vu que vous étiez intéressé à être secouriste, ça vous a donné au moins un peu quelques idées à comment sauver des vies, des choses comme ça. Oui, oui. Après ce que j'ai vu, oui, c'était intéressant. Bien préparé et tout. Aux petits oignons, la formation. Ça fait plaisir parce que j'ai mis tout mon cœur à faire et surtout qu'en plus, si vous voulez, j'ai même un diaporama pour présenter l'hôpital. Vous avez fait un super travail. Le médecin avait besoin de formation. Ah, merci beaucoup d'entendre ma. Ouais, votre travail. Et merci beaucoup aussi. Bah du coup, je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir pour peut-être une nouvelle formation s'il y a des nouveaux médecins. Bah après, mais même si vous avez, j'ai envie de vous dire, des médecins à mieux, vous voulez être plus tranquille pour faire la formation, vous m'appelez et moi je mettrai une salle à disposition. Parce que à mieux, on va pas se le cacher, ça court dans tous les sens. Les clac 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 clac. Exactement, tout clac clac. Même il y a des personnes qui aiment bien gueuler pour savoir où se situe l'avenue Félix Faure, donc voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, voilà. Je remonte en ville. Ok, bah si vous voulez, on peut vous amener merci, en véhicule. Merci, bonne soirée à vous aussi. Volontiers. Vous n'hésitez pas à les mettre en contact avec moi si désirent une salle. Très bien, très bien. Bah je prendrai note. Bon, passez une très bonne journée, monsieur Tom, et à la prochaine. Et merci pour tout. Bah merci. Bonne journée, bon retour, et soyez prudents sur la route. Merci, et à votre santé aussi.